Et voilà, la route 66 devant le muséum. On va la trouver, on va la trouver. On a trouvé la route 66, un petit bout de route 66 qui va m'emmener jusqu'au Grand Canyon. On est derrière la chaîne là tout à l'heure. Et là maintenant, eh ben on est rentré sur la route 66. Là c'est vraiment la route 66. On est encore sur un tronçon qui porte ce numéro. Puisque la route 66, un peu comme la National 7 chez nous, elle a été déclassée partout. Par endroit, elle n'existe plus. Il n'y a plus de route 66. Ils ont fait beaucoup d'autoroutes. Résultat, cette route qui traversait une grande partie des États-Unis, elle ne faisait pas tous les États-Unis, mais une grande partie. Et ben, adios, coupé, terminé, place à l'autoroute. Mais là, je suis sur un tronçon qui porte le nom de route 66. J'espère avoir la photo avec marqué route 66 sur le pavé, comme on les voit à la télé. Et ben, juste pour dire où je suis là, c'est-à-dire que je suis sur la route 66 historique. Et voilà, tout bêtement. Très très grande route ici, c'est des très 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 grandes routes. Et à 8h du matin, il n'y a personne, il n'y a que moi et ma Chrysler. Grande plaine, grande route 66. Et on doit rentrer dans une réserve indienne là. Vu le panneau, je suppose que ça veut dire entrée Uallapai Indien Réserve. Réserve indienne, je suppose, hein, je suppose. Parce que là, ici, Google Traduction, il marche pas bien, il n'y a pas bien de réseau. Donc on va voir si on est effectivement dans une réserve indienne. Uallapai Tourisme, on passe dans la réserve indienne, c'est marqué sur le panneau lumineux là, Welcome, Nation, Welcome, to the Uallapai Nation, la réserve indienne, on passe un tout petit peu dedans. Là, on est dans un tout petit village, et on repart sur la route 66. Voilà, la route 66 historique. À la sortie du village de Pinspring dans la réserve indienne. Bon, village un peu plus important que ceux traversés jusqu'à maintenant. Mais pas grand chose d'extraordinaire non plus. Là, on voit encore un bout de la route 66 historique, donc elle s'appelle la 40, mais il y a quand même les panneaux qui marquent route 66 historique. Encore un grand beau soleil aujourd'hui. Sur la route historique 66, direction le Grand Canyon. Un petit peu en retard sur le programme, mais on arrive au Grand Canyon. On est à un péage là-bas. Péage pour $30 de vignette, voilà, pour une journée. Grand Canyon Visitor Center. Grande galère pour se garer, alors qu'il y avait largement de la place sur le quatrième parking, mais ça bouchonne directement
dès le premier, donc c'est la galère. La solution maintenant, c'est le Shuttle Grand Canyon pour nous emmener voir ce grand fossé. Et on est à Matterpoint. On est garé à 300 mètres de la navette. Je serais venu à pied, c'est aussi bien. Alors voilà le fameux Grand Canyon. Alors mon information de tout à l'heure était peut-être ça, que c'est bien le Colorado qui a creusé le Grand Canyon. Je ne sais pas si on voit le Colorado, je ne sais pas s'il y a de l'eau. On peut demander, on s'en doutait. Beaucoup de points de vue. Pas mal. Pour la photo que nous on a Un grand fossé. Je pense que Monument Valley sera plus joli. Aïe, come on down, show your stuff. On va marcher un peu pour voir si on a d'autres points de vue. Yeah. I thought I could have been standing right here. Il y a quand même vraiment pas peur, moi j'irai pas là-bas au fond. Hein. Ah, c'est joli, je sais pas si ça vaut 30 dollars, mais c'est joli. Les couleurs sont sympas, j'espère que ça les rendra bien en vidéo. Et puis j'ai l'impression effectivement que le missile Colorado est un peu à sec. C'est quand même dangereux par endroit, hein. Il n'y a pas de barrière, rien. Et ben voilà, le Grand Canyon, j'y suis tété. Une bonne chose de faite. C'est bizarre qu'il y ait plusieurs crevasses. Le Colorado serait-il venu par plusieurs endroits? C'est vraiment, il y a des trous aussi dans la roche là-bas au fond. On a voulu faire un tunnel. Sans tromper, ils l'ont fait sortir de ce côté-là tout de suite. Dans le Grand Canyon, c'est très grand. Plusieurs points de vue. J'en verrai sûrement plus loin sur Monument Valley. C'est haut. C'est beau, mais c'est haut. Non, non, mon vertige n'est pas passé au final. C'est beau, mais c'est haut. Très grande saignée là. Là, je suppose que dans le fond, c'est un bout de Mississippi. Mississippi de Colorado. Pourquoi Mississippi? Mississippi, c'était la Nouvelle-Orléans avec la croisière. Là, c'est le Colorado. Alors, bien évidemment, il existe une chose moderne, Internet. Et sur Internet, il y a YouTube. Et sur YouTube, on peut récupérer quelques vidéos, soit des gens qui ont fait ça en hélicoptère, soit des gens qui ont fait ça en rafting.
et on peut les accoler à mon film pour agrémenter la visite, bien sûr, pas pour dire que moi je l'ai fait, mais pour agrémenter la visite. Il y a des espaces aménagés à côté des espaces sauvages où les gens vont tout au bord. On va aussi s'aménager. Donc on va monter plus haut. Et ça, je vais en faire péter la gueule. C'est une marche brute, hein. Je sais pas en plus avec quel âge qu'elles sont là, mais... C'est pas des escaliers. C'est taillé dans la roche, tout bêtement. Hein. Okay. On a rangé tout ça. La partie aménagée là. C'est normal, c'est un petit peu haut quand même. Hein, puis là-bas, c'est la partie qui n'est pas aménagée, mais les gens vont quand même au bord. On était en face tout à l'heure. Non, on n'était pas là, c'est pas aménagé. Il y en avait qui était. Yeah. Okay, that's where he's going to be hiking. Oh, boy, what? Really be music. Yeah, he's not, they're going down the same. Who? Mike. Grand Canyon? No, it's not. Oh my God. He's not doing the summit here? No. He and Jane are coming this summer with another couple, and they're staying at the Phantom Ranch. And they're hiking down in mules and everything, but the girls are flying out. Yeah, et la passerelle, où sait-il que serait la passerelle? Voilà. Voilà le Colorado. Pas le Mississippi, hein, faut pas déconner. Et voilà. Petit tour au centre du Grand Canyon. Ça grimpe un peu là, un peu d'essoufflement. Ah, j'ai pas plus au bord à moi. Ça suffit. The Grand Canyon. Non, je vais pas plus loin. C'est assez bien comme ça. Là, on pourra pouvoir souvent y aller à pied là-bas. Il y a des chemins. Je sais pas s'il y a des gens, mais il y a des chemins. Très abrupt, il faut avoir du temps déjà. Chose que je n'ai pas forcément, la route 66 m'a un petit peu ralenti. Et puis le Grand Canyon n'est pas le l'intérêt de la journée, l'intérêt c'est Monument Valley. Ah, il y en a qui vont là-haut. Pas la trouille, hein. Ah ouais, c'est sûr qu'il y en a qui font des randonnées jusque là-bas, il y a les chemins. C'est sur cette vue qu'on va quitter le Grand Canyon central. Puisqu'on verra peut-être plus loin.
sur la route des monuments balayés.